Parce que si tu n'as pas travaillé, tu peux avoir le chômage. Non. Tu travailles 2 mois, 3 mois, est-ce que tu as le chômage? Non. Tu travailles 1 an, t'as 1 an de chômage. Si tu travailles 2 ans, t'as 2 ans de chômage. Si tu travailles 10 ans, t'as 2 ans de chômage. C'est pas l'État qui te donne de l'argent pour ton chômage. C'est pas l'État. Lorsque tu travailles, tu fais une prévision sur risque. Sur ta fiche de salaire, il y a des petites cases, hein, il y a des petites lignes. Et là, c'est là qu'on prend l'argent pour ton chômage. Et ton patron aussi, il cotise pour ton chômage. En fait, l'État n'a pas à mettre son nez dedans. Comprends que t'es pas dans un État libre. D'où ils te disent ce que tu dois faire de ta vie. À partir du moment où t'as plus le chômage, bah t'as rien. Pour une petite minorité, vous aurez le RSA, mais la plupart, vous aurez rien. Elle est née avec une cuillère en argent, c'est pour ça qu'elle peut pas comprendre. A contrario, il faut pas vous plaindre. Vous êtes libre pendant la période du chômage, hein, quand vous touchez vos thunes, mais après aussi. Ça veut dire que vous êtes responsable de ce qui se passe avant et après.